Donc le président des anciens combattants va démarrer. Garde à vous! Attention pour les couleurs. Prêt pour les couleurs. Envoyez! Donc la classe de Marie va venir vous interpréter la Marseillaise en langage des signes. Contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ses orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ses champs de bataille éventrés et la mort omniprésente, le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisaient sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse la place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes en place de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix, enfin, va revenir. Mais partout, aussi,
on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules tassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français, de toute génération et de tout horizon, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits et de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter des démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de réconciliation de la France et de l'Allemagne, est bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font de nous, tenons-la, unis en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Nous allons maintenant faire mémoire aux soldats morts pour la France en 2018. Adjudant Émilien Mougin, 1er régiment de Saïs, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Maréchal des logis Timothée Dernoncourt, 1er régiment des Saïs, mort pour la France au Mali le 21 février 2018. Caporal Bogus Pochevski, 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France en Irak le 21 mars 2018. Je vous demanderai une minute de silence. La lettre des anciens combattants par plus. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre. Aujourd'hui, la France commémore le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qui ne garde, gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes, le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52 mois de combats meurtriers. Souvenons-nous des paroles de Georges Clemenceau, président du Conseil, annonçant l'armistice ce 11 novembre 1918 à la Chambre des députés. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout armistice,
la France a été libérée par la puissance des armes. La guerre est finie, reste à gagner la paix. Nous ne pouvons pas oublier le courage et l'abnégation de nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur. Toutes ces générations venues du monde entier, qu'elles fussent européennes, africaines, américaines, asiatiques ou océaniennes, se sont battues pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. De cette première guerre mondiale qui a causé des millions de victimes, ne résonne plus aujourd'hui que le rappel de l'indicible souffrance endurée par l'ensemble des belligérants et leurs familles. Une souffrance faite de cauchemars, de privations, de souffrances et de deuil. Unissons dans le souvenir tous ces soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés qui ont également versé leur sang pour la France, une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que l'acceptation du sacrifice suprême et l'espérance qui habitait toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France. Maintenant, il va y avoir des lectures de lettres de soldats, travail réalisé par la classe donc de Frédéric Chauvet. En réalité, ce ne sont pas exactement des lectures de lettres de soldats, mais c'est ce qu'on a retiré de la lecture de très nombreuses lettres de soldats. Donc on va avoir toute la guerre de 1914 à 1918, résumée en quelques mots, année par année. Au vu de ce que les gens dans les villages ont pu ressentir en recevant les lettres de leurs soldats. On commence par 1914. 1914, le monde s'y attendait, on n'y croyait pas trop. Mais voilà, début août 1914, c'est la mobilisation générale. Tous les hommes valides entre 18 ans et 45 ans vont partir. On espère que la guerre sera courte. C'est les foins et les maçons. Qui va les faire? On espère aussi qu'elle ne sera pas trop meurtrière. Cette guerre, on attendra avec impatience des lettres de nos soldats. On va espérer qu'ils reviennent. 1916. Les nouvelles ne sont pas très bonnes. On a perdu des milliers d'hommes. Quelques hommes du village ont été portés disparus. On a peur pour ceux qui sont encore là-bas, à Verdun par exemple. Ils vivent dans des tranchées boueuses. Ils voient énormément de morts et de blessés horribles. Les bombardements sont incessants, de bruit et d'odeurs insupportables. On se bat pendant des jours et on n'a aucun résultat. Nous sommes en 1917. Avec le retrait de la Russie, on a peur que les Allemands regroupent leur armée et qu'on ne puisse pas les battre. On a entendu dire que les Américains allaient arriver. Mais il faudra du temps pour qu'ils soient prêts, nos nouveaux alliés, et les échos des terribles pertes sur le chemin des dames ne sont pas rassurants. Le bilan s'alourdit, on a encore perdu des enfants du pays. Aujourd'hui, c'est l'armistice, le 11 novembre 1918 à 11h11, le clairon a sonné sur le champ de bataille et les hommes ont arrêté de se battre. Nous sommes là enfin pouvoir rentrer chez eux. On espère que la guerre ne se reproduira jamais et que cette grande guerre sera la dernière.
Le 26 août, il est évacué comme le lieutenant L à Clermont-Ferrand. Guéri, il se retrouve sur le front d'Artois en octobre 1914. Grièvement blessé le 29 mai 1918 à Louvain. Il mourut le 31 mai pour la patrie à 27 ans. Jules Michelot, 144e d'infanterie, médaille militaire, croix de guerre, classe 1903. Parti le 1er août au 42e régiment d'infanterie, prend part aux actions d'Alkirch et de Mulhouse. Se trouve au repli de la Somme et de l'Oise, puis à la bataille de la Marne et à celle de l'Aisne où il fut blessé au combat de Vingry le 21 septembre 1914. Le 18 novembre 1914, il rejoint le 42e à Vingry même, car c'est alors la guerre des tranchées. Le 12 janvier 1915, toute la division part pour l'affaire de Crouy-Soissons, compromise par la crue de l'Aisne. 6 et 16 juin, combat de Quennevières où le 42e régiment est très éprouvé. Le 25 septembre, bataille de Champagne, blessé à l'avant-bras droit, ce qui paralyse le mouvement des doigts. Le 28 février 1917, il passe au 123e régiment d'infanterie pour entrer le 1er mars au 144e régiment d'infanterie et gagner le front de la Somme. Au chemin des Dames, le 6 mai, il se fait citer à l'ordre du régiment. Le 2 juin 1918, Jules Michelot est tué à Missy-aux-Bois à 35 ans, marié, 3 enfants. Jean Duhart Saint-Maurice. Sous-lieutenant aux 6 hussards, admis à Saint-Cyr, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre, classe 16. Engagé volontaire dès le début des hostilités, il prit part comme maréchal des logis aux actions de la Côte du Poivre, secteur est de Verdun, fin octobre et novembre 16. En 17, il suivit les cours d'élèves officiers. La première ruée allemande du 21 mars au 4 avril 18 en Picardie, qui créa sur notre front la poche de Montdidier, avait eu pour heureuse conséquence l'unité de commandement confiée au maréchal Foch. Parmi les glorieux morts de l'admirable armée Imbert vers Montdidier se trouve le lieutenant Jean Duhart Saint-Maurice, à 22 ans. Objet de la citation suivante à l'ordre de l'armée, commandant un peloton à donner pendant 2 mois en première ligne et notamment pour la l'exemple d'une bravoure, d'une abnégation et d'un dévouement sans borne. Le sous-lieutenant Jean Duhart Saint-Maurice s'était montré digne descendant de ses nobles ancêtres et il a héroïquement mis en pratique leur fière devise « De la mort, je me ris ». Paul Fouilletot, caporal de 30e d'infanterie, médaille militaire, croix de guerre, classe 15. Appelé au 42e régiment d'infanterie le 18 décembre 1914, il gagne le front de l'Aisne le 8 mai 1915. Le 19 juin, il entre en première ligne à Trouy-Breuil, tient un secteur de l'Aisne, participe à la bataille de Champagne du 25 au 29 septembre 1915. Se trouve près de Reims en novembre, puis du 21 février au 10 mars 1916 à Verdun. En avril-mai, la 14e division est rappelée à l'est de Verdun pour défendre les forts de Vaux et de Souviers. Le 23 octobre 1917, le caporal Fouilletot est blessé par éclat d'obus qui lui traverse la poitrine et lui font des plaies à la tête. Du 20 août au 10 septembre, ce sont des victoires successives. Le caporal Fouilletot est tué au combat, tranché de Coblenz, sud de Saint-Marie, le 29 septembre 1918. Son sacrifice lui valut une 4e citation. A été tué entraînant courageusement son escouade à l'assaut. Il est mort à 23 ans. Lucien Lallemand, capitaine au premier génie, officier d'académie, médaille militaire, croix de guerre, classe 1898. De 1901 à 1904, avait fait partie de la mission pour la mesure d'un arc du méridien, dans la République de l'Équateur, d'où il revint avec le grade d'adjudant.
de 1910 à 1914, employé à l'école polytechnique. Sous-lieutenant, le 20 novembre 1914, il tomba malade aux Dardanelles, le 1er juin 1915. Dans un bataillon d'instruction, dès le 25 décembre 1915, il tomba de nouveau malade, le 11 juin 1916. À la compagnie 103, le 1er août 1916, à la compagnie 452, le 12 septembre. Passe lieutenant, le 4 octobre 1916, et retombe malade le 31 juillet 1917. À la compagnie 42, le 18 janvier 1918, il est nommé capitaine le 7 septembre 1918. Il meurt de maladie le 15 octobre 1918 à l'ambulance de Villers-Saint-Georges, en Seine-et-Marne, laissant une veuve et un orphelin, 40 ans. Jules Bresson, du 4e d'infanterie coloniale, mobilisé facteur et aiguilleur au chemin de fer, grade de caporal, classe 99. La première victoire a été remportée par les cheminots, déclara le généralissime, parlant de la merveilleuse précision avec laquelle fut opérée la mobilisation. Non seulement le facteur aiguilleur Bresson accomplissait son service avec ponctualité, mais il s'efforçait encore de donner toute l'aide agricole aux familles de mobilisés. Or, voici qu'en novembre 18, la grippe espagnole fit son apparition dans la commune. Cette grippe atteignit Bresson en cours de service. Le 12 novembre 18, il mourut des suites de maladie, grippe bronchopneumonie contractée en service, 39 ans. François Ramondon, du 50e régiment d'infanterie territoriale mobilisé au PTT, classe 96. Le service des PTT eut pendant les hostilités sa très grande importance et aussi ses difficultés et ses risques, surtout dans la zone des armées où se trouvait l'équipe dont faisait partie Ramondon. De même que Bresson, François Ramondon fut brusquement atteint par la grippe espagnole au cours d'un voyage direction de Vesoul. Il jugea devoir s'arrêter chez son père à Colombiers, mais il s'y alita et malgré les meilleurs soins, il mourut le 5 janvier 19, emporté au bout de quelques jours par cette grippe, bronchopneumonie, contractée en service à 43 ans. Maintenant, le président des anciens combattants va lire un mot. 2018. L'année précédente, j'ai parlé d'un adolescent visitant le site de Verdun. Cette année, je parlerai des femmes de la Grande Guerre. Quand on parle de la Première Guerre mondiale, les mots qui viennent à l'esprit sont poilu, tranché, mango ou encore et guerre totale. Mais on oublie souvent les femmes qui, bien qu'absentes des combats et du conflit, ont participé à leur manière à l'effort de guerre et surtout ont soigné les blessures de l'âme et du corps des malheureux combattants. Lorsque la guerre de 1914 éclate, les hommes sont mobilisés sur le front, plus de main-d'œuvre dans les usines. Le gouvernement lève donc une réglementation quant au travail des femmes. Celles-ci se retrouveront ainsi au sein des usines, dans les champs, à la place des maris. Elles soutiendront moralement les femmes qui sont en marée de guerre, apportant grâce à leur correspondance avec les hommes du front une connaissance des conditions de vie sur le terrain et surtout un réconfort à nos poilus. Marraine de guerre. L'autre famille du soldat. Les dames
en voyant l'être écolu au front, un soldat sans famille, les marines de guerre apparurent dès 1915 ont suscité à la fois un bel enthousiasme populaire, de la défiance des états-majors et le mépris des moralistes. C'est en janvier 1915 que l'association La Famille du Soldat voit le jour. Contrairement aux prévisions, la guerre qui devait être courte s'éternise dans la boue des Français. Rien n'est prévu pour soutenir le moral des soldats et les fronts se fuient. Les hommes mobilisés originaires des régions envahies se retrouveront complètement isolés, sans nouvelles de leur famille. À la fin de l'année 1914, émerge alors l'idée de soutenir ces soldats qui, contrairement à leurs camarades, ne reçoivent ni courrier, ni colis, ni soutien familial. L'élan populaire et le succès des marraines de guerre remplir un devoir patriotique à caractère familial et participer ainsi à l'Union sacrée par une manifestation de solidarité transcendant les classes sociales et les clivages politiques, Union sacrée qui sauvera la patrie en danger. C'est l'état d'esprit qui anime les fondateurs des premières œuvres de soutien aux soldats isolés qui se battent sur le front. La famille du soldat née en 1915 à Angers sous la présidence de Jules Cambon. Elle a pour but de mettre en contact les soldats privé de famille avec des correspondants potentiels, marraines ou parents. L'œuvre est alors dirigée par Marguerite de Lens, qui transfère le siège social de l'association de la maison familiale à Versailles dès le mois de juillet 1915. Et grâce notamment à l'appui de Maurice Barrès, les activités de l'œuvre augmentent progressivement jusqu'à Noël 1915. Elle bénéficie de la publicité gratuite de l'Écho de Paris, qui ne tarde pas à fonder sa propre officine devant l'afflux des lettres des soldats en souffrance, comme d'autres journaux, entre guillemets. L'homme a créé la croix le journal. L'œuvre Mon soldat apparaît ensuite, fondée par Madame Bérard et soutenue par le ministre de la Guerre, Alexandre Millerand, avant qu'une myriade de journaux et d'associations diverses se proposent à leur tour de jouer les intermédiaires, soulignant l'immense engouement populaire de cette noble mission. Ces premières œuvres sont hautement morales et patriotiques, dirigées par des dames conservatrices qui veulent rappeler que les Français forme une famille solidaire et unie. Le terme « marraine », entre guillemets, lui-même n'est pas innocent. Appartenant au vocabulaire religieux, il évoque l'engagement devant Dieu de supplier les parents si ceux-ci viennent à disparaître et démontre que les correspondantes
remplissent une mission naturelle de secours à un membre de la communauté nationale. Pour certaines femmes, cet engagement familial prend un sens concret, comme pour cette mère en deuil qui écrit à la famille du soldat. Je n'ai plus de fils, je l'ai donné à la France. Rendez-moi-en un autre de la personne d'un soldat séparé des siens. D'inspiration catholique, ces œuvres dirigées par des dames soucieuses de morale et de patriotisme sont rapidement dépassées par l'afflux des demandes de soldats et par le glissement qui s'opère dans la nature des correspondants. Car, n'en déplaise aux constructrices de haute moralité de ces œuvres nobles et estimables, le soldat fut-il héroïque, n'en est pas moins un homme, et les marraines fussent-elles animées d'un désir patriotique, n'en sont pas moins des femmes. Au gré des échanges de lettres et des permissions qui rendent possible les visites, les relations prennent un tour moins patriotique. La méfiance de l'état-major. Progressivement, la perception de la marraine de guerre évolue. De mère ou sœur de substitution, la marraine est devenue jeune femme à séduire ou séductrice. En tout état de cause, la marraine est une femme libre qui s'émancipe de toute tutelle et se lance dans une correspondance échappant à toute surveillance tutélaire avec des individus de sexe masculin. Les autorités militaires s'inquiètent de l'utilisation des marraines comme moyen de renseignement par l'ennemi. Des mariages seront cependant célébrés après la guerre entre des soldats et leurs marraines. Ni les jugements moraux de la bonne société, ni la méfiance de l'état-major ne viendront à bout des marraines de guerre. Certes, de fait, vous épousez la filleule devenue prince charmant à l'issue du conflit. Et qui, tel le phénix renaissant de ses cendres, réapparaîtront dès 1939 au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En conclusion, malgré certaines erreurs ou dérapages, marraine frivole, abus de confiance, la grande majorité des marraines de guerre ont joué un rôle primordial pour redonner du moral aux jeunes gens confrontés à cette guerre meurtrière et dévastatrice qui démolit la personne humaine la plus résistante. Grâce aux correspondances, à l'envoi de colis, au dialogue pendant les permissions, ces hommes, la plupart du temps orphelins et sans famille, comprenaient enfin que des femmes étaient à leur écoute pour les aider à reprendre confiance, en même temps leur donner le moral pour continuer le devoir de soldat. Quand le moral est au plus bas, rien ne va. La victoire du 11 novembre 1918 est le fait de deux critères. Les armes, bien sûr, mais aussi le moral des troupes. Les deux vont de pair. Nous formulons notre profonde gratitude et reconnaissance envers ces femmes qui ont donné le meilleur de leur personne
pour accomplir leur devoir envers la nation. Soyons tolérants, soyons à l'écoute des autres et soyons humains. Vive la France, je vous remercie de votre attention. Garde à vous. Appel des morts fait par les jeux. Sergent Joseph Bocquier. 1918. Adjudant Armand Bocquier. Jules Michelot. Sous-lieutenant Jean Duhart Saint-Maurice. Caporal Paul Quinto. Capitaine Lucien Lallemand. Caporal Jules Bresson. François Ramondeau. 1920. Jean-Baptiste Marchal. 1921. Charles Badeau. Nous allons déposer deux gerbes en mémoire. J'invite les enfants à venir nous rejoindre. On va chanter la Marseillaise. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi
nous accompagner. Vous mettez devant les enfants, tournez face au public. Et voilà, on va chanter ensemble la Marseillaise. Les instituteurs, pour leur participation aussi. Vous, personnes présentes, toujours aussi nombreuses. Le président et toute la section des anciens combattants, le porte-drapeau, Étienne, Michael aussi pour leur présence en uniforme. Et on va vous inviter là à descendre à la salle des fêtes avant un apéritif donc déjeunatoire qu'on a fait un peu plus conséquent. On va vous diffuser le film qui a été réalisé par Madame Ragon, professeure donc au collège Jacques Brel, qui va venir normalement nous rejoindre, et par les élèves du collège, dont certains sont habitants de Colombier. Et vous verrez que c'est vraiment un joli film qui retrace pendant une vingtaine de minutes l'histoire de la Grande Guerre en s'inspirant donc du livre de l'instituteur L. Donc c'est un très beau film, donc on vous invite à tous venir à la salle des fêtes et je vous remercie encore pour votre présence et je vous souhaite à toutes et toutes une bonne journée et ce fut une belle commémoration pour ce centenaire de la Grande Guerre 1918. Merci à vous tous. Merci. Au nom de l'association et de vous tous ici présents, je vais d'abord remercier l'abbé Jean Poirot pour avoir célébré la messe à l'intention des victimes civiles et militaires de la Première Guerre mondiale. De même, merci au corps de chambre. Merci à la municipalité et de son maire Jean-Sébastien Ganis pour leur participation financière suite à la rénovation du monument aux morts 1914-1918. Merci aussi pour la salle Marguerite mise gratuitement à la disposition de l'association et de toutes les personnes présentes à cette cérémonie. De même pour l'apéritif gâteau brioche, etc. Nous remercions Jean-Jacques Biot qui a donné de son temps et de sa personne. Grâce à ses recherches, il a pu se procurer les photos de certains soldats originaires de Colombie. De même, nous remercions ainsi aussi les artisans qui ont mis toutes leurs compétences pour embellir et draper une nouvelle tenue bleu horizon de notre poilu. Merci aux jeunes filles et aux jeunes hommes pour leur participation au protocole de la cérémonie. Merci aux professeurs des écoles et leurs élèves par leur implication, par leur chant et l'attention qu'ils portent aux commémorations du centenaire du 12 novembre 1918. Merci aux personnes qui ont collaboré dans l'anonymat d'une manière directe ou indirecte au bon déroulement de cette cérémonie et ainsi la rendre plus émouvante. Merci à vous tous et toutes générations confondues,
pour voir votre présence nous honorer ces hommes qui, en pleine jeunesse, vont faire leur vie à la patrie et pour notre liberté. Merci aussi aux militaires qui, en fonction de leur drapeau, je les remercie sincèrement. Merci aux porte-drapeaux. Merci aux adhérents de notre association pour leur présence assidue et leur collaboration. Je vous remercie de votre attention. Un livret a été aussi réalisé, si vous le souhaitez. Donc un petit livret, donc c'est des conseillers qui ont travaillé dessus. On l'a imprimé en mairie. Je dirais qu'il fait une bonne vingtaine de pages, donc retraçant un peu le parcours de tous les soldats là qu'on a donc commémoré ce matin. Donc on l'a mis à l'euro symbolique, pour pas dire qu'on le donnait gratuitement. Et tous les livrets donc sont en vente. Il y en a une 60aine d'exemplaires, si ça vous dit. Donc dès maintenant ou après encore à la salle. Et donc tout l'argent récolté ira bien sûr dans la quête des Bleus. Je vous remercie et je vous invite à descendre à la salle. Mettre un visage sur le nom, donc, qui a réalisé ce film avec donc, les élèves du collège Jacques Brel, où elle donne des cours d'histoire géographique. Donc on lui laissera la parole après la projection du film, qu'elle nous explique voilà, comment elle a travaillé pour arriver à cette très belle réalisation. Donc on va démarrer, merci. Qui s'engagent pour
continuer à faire vivre le passé, leur famille, leur village. Et je suppose qu'ils font encore ça très bien au lycée. Et puis, je vois qu'il y a plein d'énergie encore là. Qui peuvent se arriver au collège, si ils ont envie, pour un groupe, faire les apprentissages. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci à vous aussi, puis vos élèves, bien sûr, résidents au village qui ont participé à ce beau projet. Et j'espère que oui, il y en aura d'autres. Hein. On essaye d'inclure, c'est une volonté du conseil, les jeunes de cérémonie, et on espère que ça vient encore longtemps, que le devoir de mémoire termine. Alors nous, je ne sais pas si vous l'avez, mais par l'ancien conseil de l'ordre, il y a eu une publication, ce n'est pas le livre complet de l'ordre qui est au archive, mais c'est. Donc le conseil se joint à moi donc, pour remettre le livre qui a été réédité par l'ancien conseil. Et on vous remet aussi le petit livret qui a été sorti cette semaine avec les soldats de Colombie voilà, qui vont passer un peu leur carrière. On vous remercie beaucoup et belle continuation dans vos élèves. D'avoir du monde derrière. Donc maintenant, je vous remercie, on vous invite à un apéritif des jeunes à toi, qui est un peu plus conséquent que d'habitude, pour partager un petit moment ensemble. Merci.